Bon, écoute, Kemar, on s'est eu au téléphone il y a combien de temps? Il y a un mois à peu près? Et à quelques minutes de monter sur la scène de la cave, une salle que vous n'avez plus fréquentée depuis quelques temps, hein, je pense. Plusieurs années. Ouais. Plusieurs années. La dernière fois, c'était pour Utopia. 15, c'était non. ça non, non, c'était même pour le premier album. Le premier album, donc ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. C'est bon, prêt à en découdre, à redécouvrir le public que tu m'as connu 20 ans après. Ouais, c'est une super salle, les gens sont adorables ici. C'est complet, c'est très chouette. Ouais, c'est ce que j'ai appris que c'était complet. Alors elle rentre dans le cadre du Propaganda Tour 2015 qui s'achève pour la partie 2015 après-demain. Mardi, ouais. Voilà, il reste la date donc, de ce soir à Mâcon, la date d'après-demain à Riorges. Des impressions sur la première partie de cette tournée qui va se prolonger écoute, en mars. On a passé vraiment des super moments, vraiment, parce que je trouve que le groupe, il est... je crois que c'est la plus belle machine qu'il y a jamais eu dans Noël. Parce qu'on sait que le groupe a quand même connu plusieurs changements. C'est juste changements parce que c'est la première fois qu'on a deux guitaristes dans le groupe. D'accord. Et que l'apport de Poppy, la deuxième guitare, ça a donné un coup de fouet à pratiquement toutes les compos. On joue 10 titres de Propaganda dans la setlist. Ouais. Et voilà, et il y a une complicité entre nous absolue. Quoi. Tu vois, on sort de je sais pas combien, de dizaines de dates et. Il y a par moments on est un peu fatigué, mais il règne tellement une ambiance terrible que la fatigue est complètement balayée par l'enthousiasme qu'il y a de jouer entre vous. Et 10 titres sur un album qui doit en faire 12. 11. Donc en fait, ça veut dire que l'album est joué dans l'intégralité. Et vous intervertissez sur certains soirs. C'est-à-dire que l'album a déjà été joué plusieurs fois dans sa totalité. Enfin, pas forcément tous les soirs, mais voilà, après, ça se mélange avec les nomenclatoires, les chillés, les Jumarotten. C'est ça. Et on sait que ce soir, on va s'attendre à avoir tous les albums qui vont être passés en revue. On en avait parlé par téléphone. Donc ça permettra en plus au public qui ne connaissent peut-être que le dernier album, qui vous ont peut-être découvert, parce qu'il y en a certains ou l'inverse. Ou l'inverse aussi, qui connaissent peut-être plus ce que vous faisiez au début de votre carrière, de se rendre compte que le groupe a en plus pas mal évolué, parce que l'une des particularités. Mais c'est la première fois quand même que dans l'histoire de Noël. Vous jouez autant de morceaux d'un album. Ouais, voilà. Ouais. C'est la première fois. Bah là, ça réexiste sur 11. C'est bien. Merci. Et 2002 n'est pas si loin. Il paraît que tout va bien. Le changement dans ses courbes mains. Faut conquérir et reconquérir. Et peu importe le moyen. Elle est plus belle en Parisien. Elle a les charmes et les serpents. Aujourd'hui l'Europe est une vieille. Qui sont
21 avril, après le père, voilà la fille. Du bruit à l'île. Ce soir, c'est un grand soir pour Noan et pour Metal Attack, puisqu'on te remet officiellement l'affiche du Demolition Tour. Petit délire qui est né de notre phoneur qu'on a fait le 20 novembre dernier. C'est vrai. À la suite d'une discussion que tu as eue avec Yann, notamment guitariste de masse. Donc voilà, la date est arrêtée, 12 Brumaire, à Vichum. Ça va, on prend pas trop de risques, déjà. C'est bien le 12, mais on sait pas comment. Ben, c'est bon. En plus, c'est ça. C'est pas mis l'année non plus. L'année, pas de mois. Non, c'est bien le mois. Voilà. Ça permet de. Ça, au moins, vous pouvez arriver faire. Eh non, le 12, c'est nous. Hein. Et là, tu rajoutes là. C'est pour nous. Un peu d'émotion d'avoir l'affiche de ce Big Four en version française, ça y est, officielle. Ah ouais, c'est top. Non, vraiment. Puis là, je trouve la typo parfaite. Alors, ça, je dois rendre à César ce qui est à César, c'est ma femme qui m'a dit évidemment, il fallait pas faire une écriture classique, donc on a essayé de faire quelque chose d'un peu stylé. Puis elle me dit il faudrait que tu les doubles avec du rouge. Ça rendrait quelque chose d'un peu plus vivant, d'un peu plus visuel. En rouge et noir, ouais. Voilà. Donc, alors là, c'est vrai qu'on voit pas forcément trop le nom des groupes, mais c'est vrai que c'est surtout l'appellation. C'est l'appellation qui compte. Mais évidemment. C'est l'appellation qui compte. C'est le nom qui est fort. Donc, c'est un délire qui est né d'une interview téléphonique qu'on a fait. Alors, pour l'anecdote, cette interview elle a été diffusée avant-hier. On a essayé de la programmer quelques jours avant votre venue sur Mâcon et votre venue à Riorge. Et je tiens à dire qu'il y a des auditeurs qui m'ont dit qu'ils vous découvraient ce soir-là. Ils avaient entendu parler du groupe, mais ils ne connaissaient pas. Ouais. Certains m'ont même dit qu'à la base, peut-être par idée préconçue, ils étaient un peu réfractaires au groupe français chantant en français. Et à la suite de cette émission, ils ont revu leur jugement. Ils sont de la préhistoire. Mes potes, c'est les gens qui m'écoutent. Ouais. Mais tu vois, du coup, ils sont quand même revenus sur leurs préjugés. Ils sont revenus tu vois. Sur leur jugement. Et il y a des gens qui m'ont dit, voilà, on a découvert Noan ce soir-là. Donc c'était le 18, on est ouais. 20, c'était le 18. L'émission durait 3 heures. Hein, donc on a mis ton interview, plus plein de morceaux de Noan au milieu. On a entrecoupé de tous les albums. De toute la discographie. Ont été passés en revue. On a passé des morceaux de Lofo, de Mas, de Tagala Jones, du Bal, pour un peu aussi étayer tout ce qu'on avait pu dire. Bon, le morceau Bomber a clôturé l'émission, oui, puisque c'était ton choix. C'était ton choix. Donc voilà, c'est ce qui a clôturé. Et donc voilà, il y a des gens qui ont découvert Noan. Et je pense que pour eux, il y aura un avant et un après. Ah, c'est cool. Voilà. We'll be right back.
albums pardon, et 20 ans de carrière, il y en a qui peuvent découvrir encore aujourd'hui. Et puis de toute façon, on connaît pas tout. Oui. Le renouvellement, alors ça me fait penser, est-ce qu'au bout de 20 ans de carrière, tu as constaté un renouvellement de fans, justement, avec une nouvelle génération, des gens qui ont 15-16 ans, qui viennent à vos concerts maintenant, des gens qui ont 40, qui ont connu No One à l'âge de 20 ans. Tu vois déjà, genre Laurent qui est là, tu vois de ce mariage, de, ce renouvellement de public, ça ouais. se ressent ouais, ouais, complètement. Ouais, ouais, y a ceux qui nous connaissent depuis 20 balais, qui viennent, pour certains, qui viennent des fois avec leur môme. Ouais, ce qui est sympa aussi. Très bien. Et puis, ouais, il y a un peu de tout, quoi, voilà, des curieux, des gens qui nous connaissent sur quelques albums, qui ont été, qui ont apprécié vachement Propaganda et qui reviennent, voilà, c'est un peu tout. Multigénérationnel. Cool. Multigénérationnel. Un petit mot sur la date d'après-demain, Laurent y sera, moi je n'y serai pas, mais donc vous allez jouer à Riorges pour clôturer la période 2015 du Propaganda Tour. Et vous allez ouvrir, vous allez être ouvert, pardon, par un groupe qui s'appelle Infrarouge, qui est un groupe de local. Du coin, local, que nous on a reçu dans nos studios le 27 novembre. Alors, est-ce que j'imagine que ça doit être dans votre logique, vous, de donner la chance à des groupes locaux d'ouvrir pour vous? C'est quelque chose qui, j'imagine, existait déjà parce que j'ai pu discuter avec Yann. On a discuté avec Yann de Mass, qui se souvenait de cette époque où vous aviez invité Mass à ouvrir pour vous. Ouais, on voit ce que Mass est devenu 20 ans plus tard. Donc, j'imagine que cette ligne directrice n'a pas changé en 20 ans et vous non, avez elle toujours, a pas changé, mais elle change pas, mais. Aussi, par exemple, tu vois, sur le Propaganda Tour, on a essayé aussi de venir avec nos premières parties, avec d'accord. les gens qu'on connaît. Les gens que vous connaissez. Voilà, et d'accord. notamment un groupe belge qui s'appelle Romano Nervoso, voilà, qu'on adore, qui est une espèce de The Hives complètement déglingué. D'accord. Voilà, très très okay. bon. D'accord. Voilà, on a fait jouer aussi une nana que j'avais découvert par hasard dans un tremplin, qui est toute seule à la gratte, avec ses pédales, etc., et qui a un côté un peu. Écorché vive, un peu punk même, voilà, toute seule à la gratte avec ses pédales. Avec ça, d'accord, ses pédales. Bien. Une Rémi Brica. Brute de décoffrage. Brute de décoffrage. Non, elle joue assis. D'accord. D'accord. Rémi Brica. C'est la vie en couleur. Tiens, voilà le marchand de ballon. Quel enculé. Il y a aussi nos potes de Dead Sexy qu'on a fait venir. Voilà, qui font du glam rock. Bien patate. D'accord. Et puis on a appelé aussi. Merde, comment ça s'appelle ouais, je sais plus, ça m'échappe. Les gars de Metz, j'aime bien. Mais quand vous faites venir des groupes comme ça, vous les faites venir sur les dates qui sont géographiquement proches de leur, ouais, de leur fief. Donc ça permet, en fait, vous changez quasiment de groupe tous les soirs, ou il y a certains groupes qui vous suivent sur plusieurs dates, bah, si c'est au même endroit. Les Romano, ouais, ils nous ont suivis pas suivi. Mal, parce que c'est des déglingos. D'accord. On leur dit, bon, on joue à Toulouse, ils viennent, quoi, tu vois. Alors qu'eux, ils sont implantés où? Ils sont à Bruxelles. Ah oui, oui, c'est ce que tu disais, d'accord. Ça, ah oui, ouais, donc effectivement, ouais. Moi, j'irai jouer à Toulouse. Ouais, c'est clair, ouais. Là, l'année prochaine, ils viennent, ouais, voilà, sur plein de dates, et quand on leur a dit, bon, bah sinon, il y a Toulouse, Et puis, je sais plus, il y en a deux autres dans le sud encore. Et ils sont complètement chauds pour revenir. Ouais, puis il y a une. Super. Voilà, ça fait partie des moments où t'es avec un groupe avec qui tu t'entends super bien et il y a une super bonne vibe. Voilà. D'accord. C'est cool. Reste à voir, Laurent le verra si avec Infrarouge ouais. 48 heures. Ouais, ouais, les ouais. mecs sont vraiment sympas, on a eu l'occasion de les recevoir. Les membres du groupe font aussi partie d'une asso qui est Co-Co-Co, parce que je crois que c'est une triple organisation. Co-Co-Co organisateur de cette soirée. Donc, voilà. D'accord. Donc, okay. C'était pour la petite histoire. Bonsoir à tous. Qu'est-ce qui se passe ce soir à Riorges? Y'a des gens. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les sorciers en masse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous alors que vous faites des vertes à ma. Qu'est-ce qui se passe? Non mais qu'est-ce qui se passe? Prenez-vous pour les sorciers en masse. Qu'est-ce qui se passe? Non mais qu'est-ce qui se passe? Pour faire plus de pognon, l'utilisation massive d'une main d'œuvre qui ne peut pas dire non. On se lâche chez nous, on prend le mec en main.
cette leçon. On fait de surréalisme une véritable révolution. Des tacts à la merci du syndicat des patrons qui surniche, qui se font diriger comme des pions. Je n'obéirai pas à ta putain de religion. Pourquoi reste-t-on esclave de ce bourgeois de barreau? Du temps que tu as passé téléphoniquement déjà il y a un mois, c'était, ouais. C'était juste il y a un ouais. mois, parce que c'était, non, c'était le 21, ouais. hein, quelque ouais. chose près, c'était il y a. Et d'avoir écouté, bon, déjà au phoneur sur place et d'avoir réécouté après l'émission, ouais. tu nous as scotché quand tu as parlé de la plongée. Ah ouais, c'est tout à l'heure, tu as dit, t'es pas chez toi. T'as dit quand tu plonges, ah ouais, t'es tu pas chez toi. Et je peux te dire qu'on s'est regardé, comme ça et on a fait. Voilà. Ouais, parce que c'est une sorte de discours qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'entendre. Quoi. Mais c'était très bien placé ouais, et je pense ouais. ça sentait tellement la sincérité et cette phrase était tellement puissante qu'on s'est regardé comme deux ronds de flanc, on ne savait plus quoi dire. C'est ce qu'on t'apprend. Quoi. Mmh. Et c'est... Oui, tu. Comment t'as dit, tu viens en visiteur. Voilà, exactement. Mais honnêtement, tu nous as bien scotché sur ce coup-là. Je te le dis, voilà. Surtout que c'était sur Sea Shepherd, c'était par rapport à cet engagement de personne. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Sur l'océan. Ouais, exactement. Et c'est vrai que cette phrase-là, ça aurait été une phrase à retenir. Oui, oui. À retenir de ce phoneur. Merci encore de nous avoir accueillis dans tes loges avant de monter sur scène avec Noan. Et juste un petit mot, est-ce que tu auras un petit mot à adresser à ceux qu'on qualifie depuis peu d'ailleurs hein, d'attaqueuses et d'attaqueurs, puisque c'est comme ça qu'on appelle les membres de notre communauté radiophonique. Attaqueux, attaqueuses, j'espère que bientôt vous aurez l'occasion de voir le Demolition Tour avec Radio Attack. Merci Kemar. Le rendez-vous est pris. Ouais, sans le problème. Kemar, merci. Bon concert. Et puis on devrait se croiser un peu plus tard dans la fosse. Yavashka!
tienne. Si l'on peut que ça tienne. Si l'on veut que ça tienne. Si l'on veut que ça tienne. Si l'on veut que ça tienne. Pour laver la front de la mauvaise haleine, ne laissons pas les rênes dans les grilles de Sienne. Pour laver